Hopla, mes délicieuses, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et je déballe une commande. Bon, alors attendez, on reprend. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ce matin? Depuis ce matin, nous avons été prendre le petit déjeuner. Bon. Nous avons été prendre le petit déjeuner, bon, ça c'est normal. Et après, nous avons... moi j'ai voulu aller me faire épiler. Après, Sanam est venue me rejoindre, donc j'ai fait une demi-jambe. Du coup, elles étaient sympathiques. Ben, j'ai changé mon vernis des mains. Du coup, elles étaient sympathiques. On a fait une pédicure, donc on a changé le vernis des pieds. Mon maillot. Et Sana, elle a fait faire mon maillot chez une asiate. Sana, elle a fait faire elle son... m'a tué. Mais tu m'as dit que ça faisait pas mal. Elle m'a pas tué, mais elle était pas douce, quoi. Elle m'a trifouillée comme ça. Tu sais, on m'a jamais trifouillée comme ça. Voilà, donc Sana a fait faire son maillot et tu la racontes. Elle m'a fait prendre la position du chien. Parce que forcément, quand tu te fais le maillot, t'as le devant, mais ça va un peu vers le milieu derrière. Voilà. Et en France, l'esthéticienne chez qui je vais, elle fait lever la jambe comme ça, je sais pas pour vous. Et elle, elle m'a dit position du chien, genre j'étais comme ça, quoi. Voilà, genre, c'est j'étais tout. J'étais comme ça. Et j'étais pas bien. Voilà. Et j'étais morte de rire, j'essayais de pas rire, je me disais punaise, je me disais mais c'est quoi cette position dans laquelle elle m'a mise. Donc on a fait tout ça, du coup on a aussi fait les pieds. Ça sent la cigarette. Ah, c'est pour ça qu'on met du petit cheat, on a une chambre qui est fumeuse. Pourtant il me semble avoir mis mon fumeur. Et on a une chambre fumeur et du coup ça sent fort grave, donc on est parti acheter du Febreze. Et moi je viens de recevoir une commande, oui j'ai passé une commande, mais en fait c'est chez Carole Daughters, il y a les soldes en ce moment. Donc j'ai pris ce kit Tree Therapy pour les cheveux au Marula. J'ai pris le Black Vanilla Air Smooth. Cette crème au monoï pour le corps, le Body Repairing. Ben, toujours et toujours, and again, le spray pour les cheveux anti-breakage. Oh, ça fait un petit échantillon, c'est cool. La gamme Vanilla au complet. Voilà, voilà. Shampoing, conditionneur. Et ça, c'est quoi? Ah oui, leave-in conditionneur. Voilà. Des bulles. Et encore des échantillons, c'est trop bien. Et voilà. C'est tout. J'ai arrivé en 2 jours. C'est cool, hein? C'est tout. Too much information, Sananas. Too much information. Et là, on va aller peut-être rejoindre les garçons. Et là, vous allez dire, mais c'est qui les garçons? C'est que Pat et Jérémy. C'est gentil, hein. Non, mais genre, tu sais, on est à Los Angeles, on leur dit, on va rejoindre les garçons. Ça fait genre, des American boys, trop cool, trop, tu comprends? Mais c'est Pat et Jérémy. Est-ce que je peux faire pique? Vas-y, salut. Les délicieuses, je viens de faire mon vernis, je mets ma crème, je regarde mes orteils. Le vernis que je viens d'aller faire, il est parti. Mais c'est trop bizarre. Il est parti, genre. Pourtant, il l'a mis à sécher sur le séchoir et tout. Bon, plus qu'à y retourner. Bon, bah, les délicieuses, j'ai été refaire mes orteils. Voilà. Maintenant c'est bon comme ça. Et voilà, toujours le même dilemme de la voiture bouillante. Le problème c'est qu'elle a refait mes orteils, mais elle m'a pas remis de la crème sur mes orteils. Ils sont tout blancs du coup, mes 2 gros orteils. C'est tout. Là on va aller manger. On va aller chez Denis. Voilà, c'est simple, c'est facile, c'est pas... Ah, ça brûle. Non mais je me suis brûlée, punaise. Bon. Voilà, les imprévus du direct. Et c'est bien, c'est pas cher et c'est bon. C'est tout, je vais prendre des frites. Parce qu'elles sont trop bonnes, leurs frites. C'est pas cher. Attends, il y en a qui vont peut-être trouver que c'est cher. Bah, c'est bon. Dans les prix de l'hippopotamus. Pas du tout. Ah si, c'est le même gamme de prix. Hein. Pas du tout. Les sandwichs à hippopotamus. Les hamburgers chez hippopotamus, c'est à minimum 17 €. Sérieuse ? 17 €, 15 €. Le moins cher. Le moins cher chez hippopotamus, c'est le. Julie, le steak, tout ça. Attends. Tu as le menu, je connais par cœur, tu as le menu aussi, du midi qui est à 9 euros, c'est le seul qui est à 9 euros. Et sinon, les hamburgers un peu, avec un peu de pomme, un truc, machin, commencent tout de suite à 15-13 €. Et là, c'est. C'est de 10 euros. Hein. C'est, ben, si, celui que j'allais prendre, c'est 10-12 €. Mais moi, je ne te parle pas des burgers en plus, moi, je vous parle des plats.
Ben non. Mais c'est aux alentours. Parce que j'ai mangé hier, ça coûtait 10 euros. 10 dollars. 13 dollars, mon steak, oui, là, avec mon riz. Toi. Mais bon, bref, pour dire que par rapport à ce que tu as trouvé à Los Angeles ou à New York, oui. Ou déjà, si tu me laissais parler dans mes vlogs. Mais non, mais c'est bien que tu leur donnes les prix avant. Ben, déjà, j'allais dire, hein, voilà. Donc maintenant, tu restes là, je finis, après tu montes. Tu peux juste démarrer, s'il te plaît. Ça va changer quoi? Bah, pour mettre la clim en route. Parce que là, on va cuire. Bref, tout ça pour dire que Denis, c'est bon. La portion est raisonnablement bien. Tu manges bien. Et c'est pas cher. Ok, je vais être chiante. Pourquoi on voit pas ton retour là? Oh, mais qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui, elle? T'es stressée? Non, ça va. Bah alors, arrête. Oh là là. On peut pas être en harmonie aujourd'hui. Si. Donc? Je me sens bien. Bah alors, laisse-moi. J'ai eu un petit massage aujourd'hui. Et bien alors, justement, c'est pourquoi t'es pas détendue? C'est vrai. Et bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire, parce que si je redis, elle va encore intervenir. Là. Voilà. Le truc. Ah, j'ai le droit de t'embêter un peu. Oui, mais tu me laisses pas venir ce que je voulais dire. Mais si personne t'embête, qui va le faire? Qui? Mais je m'embête déjà moi-même. Mais alors. J'ai pas besoin de toi. Regarde, je me suis auto-brûlée toute seule. L'autre fois, je me suis auto-donné un coup de poing. J'ai pas besoin. C'est pas pire que de... En plus, oui, bah oui, petite aventure qui m'est arrivée tout à l'heure. Vous voyez, dites qui c'est qui m'embête. J'étais allée refaire mes orteils. Je suis là, gentiment, j'attends qu'il sèche. Mon maillot de bain, il se détache. Voilà, donc il y avait quelqu'un derrière en train de se mettre du vernis. Et j'étais là comme une con, comme ça, en train d'essayer de me battre discrètement, sans que personne ne vienne de m'importuner ou que je n'importune quiconque. Et voilà, c'est tout. Vous voyez, toute seule, il m'arrive des aventures. Et là, elle est dehors, elle attend que la voiture refroidisse. Tu sais qu'on voit tout ton soutien. Mais... Voilà. Ça se met avec un maillot de bain, ça, non? Non, c'est un tracteur. Mais là, le vent. Moi, je coupe pas la caméra, hein. Je vais pas couper cette scène. Hein. Je te le préviens. Hein. Et je préviens que je te préviens, comme ça, tu me diras pas, ah, t'as pas coupé cette scène. Hein. Bon, allez. Ça m'est arrivé dans les collines. On va dans notre maison, on va louer une maison. Donc, on va faire la visite de la maison dans les collines. Non, c'est pas vrai, on va rendre visite à des gens. Bon, mais finalement, l'endroit où nous étions, c'était bien le bon endroit. Et là, on profite un petit tour à la piscine avec les garçons. Eh, hey, mais c'est Julie Chousse. Ouais, salut. Mais c'est quoi ça? Vous faites quoi chez moi? Tu vlogues? Ouais, je vlogue. Tu vlogues? Je vlogue parce que au début, j'ai dit, je sais pas si c'est bien là. T'es une vlogueuse? Ouais. Tu es bien arrivée. Et on boit de l'alcool à foison, regarde. Ils ont des gobelets rouges, bon, il y a de l'eau dedans, mais. Oh, tu fais combien de C? Tu jettes l'alcool dans la piscine. L'alcool, c'est pas bon. C'est pas bon. L'alcool, c'est pas bon. Avec ton maillot de bain. Oh là là. C'est ta mère. Chien. J'ai déçu des youtubeurs. Avec leurs revenus à des chiffres extraordinaires, ils se promenaient dans les piscines à Los Angeles. Sexe, drogue ou encore cocaïne. C'est dans cette petite villa. Los Angeles, c'est la ville de tous les péchés. Enquête. Oh, c'est John. Vas-y, redis. Alors. Pourquoi? C'est tout pour le moment. Oh, oh, petite Aïcha. Regardez dans ma maison qui est en bordel. Bon, elle est en bordel parce qu'il y a des invités qui font le bordel. On est à peu près vite pareil. Il y a dans mes invités. Yo! Il y a lui, c'est Ciao. Vous avez reconnu, c'est l'acteur dans Very Bad Trip. C'est lui. Et là, c'est. Lâche ma petite gueule. C'est Jérémy. Ça vlog là? Oui, ça vlog. Bonjour la France. Bonjour. Bonjour les États-Unis. La France, les États-Unis aussi, parce qu'on est au street. Voilà, c'est ça. C'est tranquille. Bizarre. Voilà, on se prépare à partir. Je vais vous donner le tournis à faire ça, pardon. On se prépare à partir. On va aller manger du shtai-tai sur Hollywood Boulevard. Et c'est tout. On a profité de la piscine aujourd'hui et c'était super. Et voilà. Bisous. Hop là, les Julicius. Aujourd'hui, eh bien, c'est notre avant-dernier jour avant de partir. En fait, j'ai pris la caméra tout de suite d'abord avant de vous raconter ce qu'on va faire pour vous montrer cette petite maison.
On n'avait jamais vu des petites maisons de ce style-là. Elles sont mignonnes. Ça fait très 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 beaucoup. Enfin, ça fait beaucoup plus résidence. Et le bruit que vous entendiez, en fait, c'était sa nana qui se... Qui m'épile. Arrête, voilà. Je suis trop heureuse maintenant qu'il est sans fil. Voilà, donc elle s'épile sans fil. Et là, qu'allons-nous faire? On va faire une dernière petite emplette avant de rentrer. Donc là, il y a le grand truc commercial. Je ne sais pas son nom. J'ai juste tapé sur le GPS le nom de la boutique où on veut aller. Et puis après, on va à la Manhattan Beach. Yeah! Et Betawa Beach. Parce que c'est là qu'on veut une maison à Manhattan Beach. Donc on va aller. Moi, je vais faire des repérages. Non, on va à la plage. Mais sinon, voilà. C'est tout. Et vous saurez la suite dans le prochain épisode. En restant connecté. Voilà. Quoi? Rien. Bah alors? J'ai rien dit. Mais Julie Chou, c'est l'heure de manger. On a été chez Panda Express. Wouh. Et c'est juste trop bon. J'ai pris des ribs, du poulet, du riz free. Et ça coûtait le menu, je crois, quelque chose comme 7,20 $. Voilà, et donc c'est juste trop bon. C'est tout. C'est tout. Mais Julius, on cherche notre voiture. C'est peut-être elle, hein. Ah, elle était près d'un arbre, une place près d'un arbre. Mais en fait, notre voiture, comme elle ressemble à toutes les autres, mais c'est clair. Elles sont presque toutes pareilles, les petites comme ça. C'est pas trop. Alors, quand on avait le gros 4x4, ben là, je sais pas elle. Non, elle est pas noire. Ah merde, il y a quelqu'un dedans. Ah non, c'est pas la nôtre. Attends, c'est pas celle qui est à côté. C'est pas celle-là. Mais elle est verte ou elle est bleue, notre voiture? Moi je dis vert, toi tu dis bleu. Elle est... C'est celle-là là, en fait elle est verte. C'est celle-là? Non, mais non, c'est elle. C'est ça? C'est ça notre voiture? Attends. Ah ouais, c'est ça, il y a les deux codes barres. C'est celle-là. C'est celle-là notre voiture. Mais en fait elle est verte. On a une voiture verte. Ça va, elle se paye un fou rire toute seule parce que. Tu regardes quoi dans le miroir? C'est quoi ton problème? Attends. C'est quoi le souci? D'accord. Il lui faut pas grand chose. Hein. En fait, elle est difformée dans la carrosserie de la voiture et attends, ça lui fait une petite après. Animation. Comme quoi, hein, il faut pas grand chose. Oui. Elle est morte de rire. J'ai plus de ventre. Elle est morte. Il est rentré dans mon buste. Elle est morte de rire de sa photo. Montre bien ta photo. Attends. N'importe quoi. Elle est malade cette fille. Bon, je reprends mon épilation de jambes. Mais t'es sérieuse? Bah oui. What else? Elle s'est épilée une jambe pendant une demi-heure. Ça veut dire que ça marche pas très bien ton truc. Je prends mon temps. Ça veut dire quoi? Ça marche trop bien. Ça veut dire que c'est toi qui as beaucoup de poils. Sur les petits poils. Tu devrais essayer. Hein. Non, non, oui. Je te jure, tu t'en passerais plus quand tu pars en vacances. Non, non. Non, mais quand je vais en vacances, je fais avant les vacances, c'est bon. Ouais, mais bon, au bout de 2 semaines, ça repousse. Chez toi. Ça va, ça va, ça va. Après, ça... Mais tu pourrais au moins copiloter avant de faire ça. C'est bon, pas grave, je vais faire. On va où? On va chez nous. On va chez nous. On va chez nous. Oui, oui, doucement, bike. On va faire du vélo. The red car, like this, a red bike. N'empêche que Sana, elle m'a arnaqué. Hein. Parce que je lui ai dit, on fait du vélo. Elle m'a dit oui, mais je pensais qu'on allait prendre des vrais vélos pour que je puisse voir si elle sait faire du vélo. Elle m'a dit, on prend les vélos à 3 roues. Uh-huh. T'inquiète pas, on aura le temps de vérifier si elle sait faire du vélo. Allez, viens, copine! Allez copine, on y va. Je te filme. Wouh, let's go. Je monte à la chaîne, à la corde. Il y en a, ils font du comme ça. Il y en a, ils font du comme ça. Là, il y en a, ils font du je marche sur les cordes, comme ça. Tranquille. Et nous, on fait du vélo. Tranquille. Tranquille. Tout est tranquille.
c'est trop tranquille. Comme des pilotes. Je crois pas ça. J'essaye. Je crois pas hein, que ça roule dedans. Allez. Je suis bloquée. Mais lève-toi. Lève-toi. Vas-y. C'est bon? T'as rien vu, t'as rien entendu. Donc, expérience validée. Et on ne peut pas descendre de sol sable. C'est la mafia. Ah, tu fais partie de la mafia? Laisse trois bling bling parce qu'elle a une petite chaîne en plaqué or. Ne sois pas jalouse. Ah, qu'est-ce que tu sais de la jalousie, toi? C'est les vieilles réponses. C'est clair. Les vieilles réponses. Non, l'homme sage. My selfie stick. Oh mince, j'ai pas pris. Ah, oh, regarde le petit chien. Attends, je peux pas appuyer sur le frein sur la caméra. Je voulais mettre une table de pied sur le tableau de bord. Tu vas à fond et tu les mets dessus. Si tu tombes, je fais comme si je te connais pas. Hein? Ah ouais? Il nous cherche, il connaît pas notre gang. Hein. Ouais. Fais gaffe. Ah, t'allais dire quoi si tu tombes pas? Je te connais pas, je passe à côté. Je passe à côté comme ça. Ah, j'ai soif. Tu vas tenter? Ouais. Tu vas tenter le flotteur? Attends! T'es trop forte! Yeah! Sans les mains. Ouais. Senna. Mais Julie. Ça y est, là, tu peux reprendre. Elle est tarée, cette fille. On est confiés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est le maillot jaune qui prend la tête du peloton. Les cons. Ouais, il y a des gens qui sont pas normaux aussi. Julie! Je peux pas freiner, je t'ai dit. Vas-y! Julie, il s'appelle comment notre gang? Du reportage d'action. Allez, tadam, on y va. Oh, c'est quoi la musique de notre gang? Et dis pas oui oui hein, parce que t'as un vélo jaune et rouge. Sana avec son petit vélo jaune et rouge au pays des. Ça vient pour s'amuser les grands comme les petits. Non. On doit chanter quoi? Non, mon money. Wouh! Bra bra bra. Non. Je
Bon, on réfléchit. Oh, presque. Là, on en a une qui est coincée, la jambe en l'air, et sa copine, elle est très forte. Ah mince. Voilà. Il y a des choses à voir à la plage. Le tunnel où on ne sait pas si on va ressortir. Alors on se dépêche. Voilà, on s'est préparé, on s'est changé, on s'est habillé, fini les bouches too much pour celles qu'on suivit sur Snap. Et ce soir, on sort, on va rejoindre les garçons, on ne sait pas où ils nous emmènent, donc on va sortir. Puis voilà. Moi, j'ai dessiné une petite robe que j'ai trouvée chez H&M cet après-midi, avec mes chaussures comme d'hab, hein, de chez Forever. Et sa nana, c'est la sortie de tout blanc, il y a un trou. Mais c'est Shinside. Et la jupe Shinside. Et les chaussures San Marina. Voilà. Mais ce soir, je ne vous emmène pas avec vous parce que ma pochette est petite. Je ne vous emmène pas avec nous parce que ma pochette est petite. Alors, ben voilà, les conditions. Je vous fais des bisous et je vous raconterai demain. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Hey les Julicius, c'est le dernier jour. Il est temps de refaire la valise. Voilà. Et puis nous, on se disait, bon, le check-out, c'est à midi. On a le temps gentiment de finir. Tranquillou. Et la dame, elle vient nous dire, vous partez à quelle heure? On dit, bah midi. Et en fait, elle dit, bah non, mais c'était 11h. Ah, ok, il est 11h16. Cool. Bah, de mon côté, j'ai fini de ranger, moi. Mais du coup, sa nana, là, va falloir qu'on accélère. Je vais lui donner un petit coup de main. Pas pour te dire comme d'hab. voilà. C'est tout. Sinon, ouais, il n'y a plus rien. Voilà. Hey, c'est le départ. Au revoir, hôtel. Nana, toujours triste au moment des départs. C'est tout. Coucou mes Julicius. Voilà, on a fait le check-out de l'hôtel. On est parti parce que Sana devait faire son tatouage aujourd'hui. Donc elle a fait son gentil petit tatouage. On est retourné dans le tatoueur où nous avions été la première fois. Nous avions été en janvier. On avait toutes les deux fait un tatouage en commun. Et là, elle a fait un ici. Deux mots pour sa maman. Il est vraiment très joli. Et le lettering choisi, qu'elle a choisi, est vraiment beau. Et c'est fin, c'est propre, c'est chouette. Des vidéos d'adieu, tu regardes jamais ma caméra. Parce que tu me saoules. C'est des vidéos. Revoir, c'est des bizarres. Au revoir. Au revoir. Mais je l'ai pas fait là. On est déjà assez déprimés. Ouais. Bon, donc je disais, nous sommes à Venice Beach. Comme nous sommes arrivés, nous avons été à Venice Beach. Et ça veut donc dire qu'il est temps d'aller à l'aéroport et de vous retrouver à Paris. Yeah. Allez. Chaque fois de voyage, sérieux? Jusqu'à ce que tu souris à la fin, non. Après. Si! Mais tu dois bien dire que le voyage est fini! Bah ouais, il est fini, point! Mais c'est quoi ce ça? Bref! Mais Julicius! Moi, je veux le soleil et la mer! Mais. Il y a des gens en France, ils ont le soleil et la mer! Hein. Pas nous! No, thank you! It's okay! I can take it! I have no. My hand is busy! Thank you! No, it's okay, thank you! No! Et voilà! Dernière image pour vous!
tout ça c'est du lard. C'est pas ça là, le...